Retour à un confinement strict au Zimbabwe. Objectif, enrayer une nouvelle flambée de cas de Covid-19 dans le pays. Les infections ont considérablement augmenté ces dernières semaines malgré un couvre-feu, des heures de travail réduites et des mesures de confinement localisées dans les zones sensibles, ainsi qu'une interdiction des déplacements interurbains. La moyenne de nouveaux cas quotidiens au Zimbabwe a quadruplé au cours des deux dernières semaines. Le virus s'est propagé dans les zones rurales où les établissements de santé sont rares. Les Zimbabwéens auront désormais besoin d'une lettre de leur employeur pour justifier toute sortie. Les autorités ont aussi prévenu que des sanctions tomberaient en cas d'infraction, y compris la révocation des licences des entreprises contrevenantes. Le Zimbabwe est l'un des 14 pays africains où le variant Delta du coronavirus se propage rapidement. Le pays est confronté à une situation délicate, d'autant qu'elle s'inscrit dans un contexte de pénurie de vaccins. Ce mardi, le Zimbabwe a enregistré un nombre total de 57 963 cas, 1949 guérisons et 1939 décès.